Chers téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé-Présent, votre émission historique proposée en partenariat avec la Revue d'histoire européenne. Il y a 592 ans, jour pour jour, Jeanne d'Arc est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen à l'âge de 19 ans. Son épopée, commencée deux ans auparavant, a changé le cours de la guerre de 100 ans. Réhabilitée en 1456, béatifiée en 1909, puis canonisée au lendemain de la Première Guerre mondiale et déclarée patronne secondaire de la France, Jeanne d'Arc est devenue une héroïne du roman national. Depuis sa biographie, écrite par Jules Michelet en 1853, ce sont des centaines de livres qui lui sont consacrés. Et aujourd'hui, nous recevons l'auteur du dernier en date, Valérie Toureille, dont l'ouvrage nous donne un nouvel éclairage sur Jeanne d'Arc, la replaçant dans son contexte, dans son milieu familial, écartant les légendes et grâce à de nouvelles sources, faisant parler de nouveaux témoins détaillant l'extraordinaire parcours de la Pucelle d'Orléans. Il ne s'agit pas ici de refaire le détail chronologique de l'aventure de Jeanne, de sa mission, mais de comprendre qui elle était. Valérie Toureille, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, docteur en histoire. Vous enseignez à l'université de cergy Paris. Vous êtes médiéviste et plutôt spécialisé dans la guerre et la violence au Moyen Âge. Et donc, le, je le disais, le dernier livre que vous avez publié en 2020 chez aux éditions Perrin est consacré à Jeanne d'Arc. Alors, je m'étais promis de ne pas vous, vous poser la question, mais lors de la préparation de cet entretien, je m'avez dit que c'était une, finalement une bonne question, alors je vous la pose. Pourquoi un nouveau livre sur Jeanne d'Arc alors effectivement, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur Jeanne d'Arc, mais des livres d'histoire et de médiévistes consacrés à l'histoire de ce personnage, euh, il n'y en a pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Mm -hmm. En fait, j'ai répondu à une, une commande éditoriale ayant travaillé sur la Lorraine, ayant travaillé sur la guerre. Euh, eh bien, au fond, il y avait peut-être une nouvelle voie à tracer pour éclairer euh, cette héroïne. C'est ainsi que je me suis replongée euh, dans une histoire que je connais bien, mais avec un éclairage très différent, et puis surtout en prenant à bras le corps, le corpus extraordinairement riche qui éclaire euh, le parcours oui, de ça, le parce que je crois que vous avez travaillé sur des archives qui, jusqu'alors, étaient peu, ou voire pas exploitées. – Alors, effectivement, on a longtemps laissé de côté le procès, euh, dit en nullité, dit aussi en réhabilitation, en fait, le terme le plus juste est le procès en nullité, mm -hmm. Euh, ce procès, il est riche de très nombreux témoignages, de centaines de témoignages. Et au fond, parce qu'on le qualifiait d'un procès politique, euh, instrumentalisé, les historiens l'ont un peu laissé de côté, ce qui est dommage, parce qu'au fond, il y a des grands, des princes, qui ont témoigné pour Jeanne, euh, d'autres qui sont morts avant d'avoir pu le faire, mais aussi beaucoup de gens du peuple. Et c'est sans doute auprès de ces gens-là qu'on peut percevoir une autre, une autre figure de Jeanne. Euh, qu'on connaît moins bien. Et puis, euh, et puis des gens de guerre qui sont moins prestigieux euh, que Dunois ou Jean d'Alençon, mais qui, au fond, euh, eux aussi, ont contribué à apporter leur pierre à l'édifice, à apporter donc euh, eh bien, de nouveaux témoignages sur, sur Jeanne d'Arc. Il y a aussi, j'ai trouvé une pièce totalement inédite euh, qui était passée inaperçue parce qu'on n'avait pas identifié le personnage en question. Euh, cet homme, c'est Jean de Vouton. C'est l'oncle, un des oncles maternels de, oui. de Jeanne d'Arc. Euh, que j'ai rencontré en fait en travaillant sur la Lorraine à partir d'un grand seigneur de guerre qui combat pour ses propres intérêts, mais aussi ceux du roi, euh, Robert de Sarbreu, pour ne pas le nommer, et euh, plusieurs de ces hommes de guerre en fait euh, sont tombés euh, sur ce pauvre oncle, sur ce pauvre Jean de Vouton et a fini par en tuer l'un d'eux. Donc c'est une pièce judiciaire qui, euh, qui méritait d'être exhumée des tiroirs poussiéreux de l'histoire, et bon, on y reviendra peut-être, évoque mmh. aussi la famille de Jeanne. Justement, avec l'étude de, de ces archives, vous replacez bien Jeanne d'Arc d'abord dans son époque. Vous employez le terme des héritiers d'Azincourt. On veut dire la, 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 la génération Azincourt et vous la replacez dans sa famille. Alors d'abord, euh, qu'est-ce que c'est que cette génération Azincourt Azincourt, c'est 1415. 15. Donc cette effroyable défaite. La plus lourde euh, qui ait pu essuyer euh, la chevalerie française. Euh, pourquoi est-ce que cette défaite a eu un retentissement euh, aussi long ben Parce qu'en fait, on a rebattu euh, d'abord les, les cartes du jeu politique. Mmh. Euh, bon, le roi était déjà très démobilisé, si je puis dire, par la maladie. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, la bataille n'a pas entraîné que la perte des euh, hommes de guerre. Et a aussi entraîné la disparition d'un certain nombre de cadres de l'administration, je pense aux baillis qui combattent aussi sur mmh. les champs de bataille. Euh, cette défaite, parce qu'elle a été une ponction démographique importante dans la noblesse, hein, 6 000 hommes, dit-on. Malheureusement, on ne peut pas vérifier, mais c'est une estimation qui… Qui semble probable, euh, a permis aussi ou a fait monter euh, eh bien, de nouveaux combattants des, euh, des marches oui. du sud, les Gascons hein, qui sont venus combattre euh, dans le sillage euh, donc euh, de la famille d'Armagnac. Euh, ça, ça contribue aussi à porter cette espèce de, de, de volonté de revanche. Alors évidemment, Azincourt aussi devait être une revanche sur Crécy, sur Poitiers. Mais euh, la saignée fut telle qu'on voit bien que de nouvelles euh, générations, je pense à Jean d'Alençon, hein, dont le père est mort euh, sur le champ de bataille, ce sont des hommes qui okay, ont qui cette, cette, cette volonté euh, de reprendre euh, pied dans leur, euh, dans leur royaume, dans leurs terres aussi, qui pour partie leur sont confisquées, on y reviendra un peu plus tard peut-être, euh, de, de se battre contre les Anglais et d'enfin euh, obtenir cette fameuse revanche. Bien. Et donc, euh, toujours avec ces archives euh, de Lorraine, la famille donc, euh, de Jeanne, euh, ce n'est pas vraiment la petite bergère euh, qui court pieds nus euh, dans les champs. Non. Elle vient d'une famille plutôt aisée Elle vient en fait d'une famille euh, qu'on dit de laboureurs au Moyen-Âge. Hein. Donc ce sont des paysans qui ont quelques moyens, et, euh, et dont le père, hein, puisque je l'ai rencontré justement en travaillant sur ces archives de Lorraine, est l'un des notables du village. Mmh. Lorsque le village est menacé, il le sera à plusieurs reprises. Jacques Darc fait partie de cette délégation qui va précisément demander la protection militaire du seigneur le plus puissant de la région. Le de, de Saarbrück. Une protection qui se, qui se paye cher, que les villageois ont rendu mal d'ailleurs à payer, outre le conflit. Judiciaire qui va bah, s'en suivre, mais ce qui explique aussi que la région est très menacée, mais que l'on ne peut trouver de soutien, bah, non pas auprès du roi ou de ses représentants, mmh. mais de celui qui est le plus fort dans la région. C'est aussi très intéressant de ce point de vue. Parce que quel est le statut de la, de la Lorraine véritablement à l'époque Elle est intégrée au royaume de France. Lorsqu'on lit le procès, euh, on dit à, à Jeanne lorsque vous êtes venue en France, c'est elle qui le dit. C'est elle C'est elle qui le dit. Euh, alors c'est extrêmement compliqué euh, pour faire référence à. un un professeur spécialiste de, de, de la Lorraine, malheureusement disparu, Michel Paris, hein, disait C'est impossible, géographie de la Lorraine. Euh, parce qu'il faut bien comprendre que euh, c'est un territoire d'enclaves multiples. Oui. Pour faire simple, il y a ce qu'on appelle le barrois mouvant, mm -hmm. qui euh, relève normalement de la suzeraineté euh, du roi de France le barrois non mouvant qui relève du duc de Bar, qui mmh. penche plutôt du côté des terres d'Empire. Et puis il y a l'enclave de Vaucouleurs, qui n'est pas simplement euh, une ville forte, comme on a tendance à le dire, mais tout un territoire qui englobe pour partie, dans sa juridiction, Dorémie. Mais en partie seulement. Une partie de en partie seulement. C'est extrêmement pas de quel compliqué. Côté oui, le village lui-même est, est partagé, mais on a l'habitude au Moyen Âge mmh. de ces découpages politiques et juridiques des territoires, mmh. mais ce qui en rend la lecture un peu compliquée. Bref, euh, lorsque Jeanne dit qu'elle va en France, euh, elle va, elle traverse la Champagne, elle mmh, va rejoindre effectivement les, les terres du roi, mais, euh, au fond, elle relève aussi de l'autorité de, de vos couleurs. Donc, cette petite, enfin, euh, elle est bergère peut-être, mais donc elle participe finalement aux travaux euh, tout simplement de. Oui, oui, de comme, euh, comme les, 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 les jeunes filles de, de son âge, mm -hmm. on les requiert pour les tâches agricoles comme les autres. Mm -hmm, bien sûr. Mais euh, elle a quand même une certaine éducation Elle a quand même une certaine éducation et c'est un point très important sur lequel il faut insister. Euh, au Moyen-Âge, les petites filles, euh, si les parents ils consentent, bien sûr, elles peuvent aller à l'école. Il y a des petites écoles. Il y en a une à Greux, qui est tout près de Don mmh. rémy Donc, il euh, n'y a pas de, de ségrégation sociale. On peut aller dans une petite école, euh, si évidemment… Euh, euh, vos parents ont quand même quelques moyens pour qu'ils ne vous, vous sollicitent pour pas vous pour les, les travaux, travaux des champs okay. et ce genre de choses. enfin, on ne va pas non plus à l'école euh, de manière jours, continue oui. au Moyen-Âge, et, et certainement pas euh, dans les périodes agricoles les plus intenses. Bref, euh, donc Jeanne a pu aller à l'école et je pense qu'elle est allée euh, à l'école. Mais euh, qu'est-ce qui vous fait dire ça Qu'est-ce qui vous fait penser ça Alors, son, son intérêt pour l'écrit, mm -hmm. euh, très tôt, euh, elle va écrire des lettres. Alors au Moyen Âge, on fait écrire des lettres. Euh, mais euh, quelqu'un qui serait totalement euh, analphabète hein, ne s'intéresserait pas, me semble-t-il, à ces questions. Euh, la guerre euh, exige aussi des formes écrites. Ce sont les défis, ce sont les sommations. Alors, euh, sans doute, lui a-t-on dit qu'il fallait faire ainsi. Mais quoi qu'il en soit, euh, elle s'y plie avec d'autant plus de volonté qu'elle euh, va démultiplier sa, cette correspondance quand même. Donc, euh, elle ne fait pas qu'envoyer des défis aux Anglais. Elle écrit, elle écrit aux grands. Euh, on la sollicite aussi, et elle, et elle, elle répond. Même. Et elle signe. Alors, il y a eu de nombreux débats sur sa signature. Moi, je trouve que sa main est ferme, mais quand on superpose... Les lettres où il reste encore sa signature, c'est la même signature. Autographe. Il y a, il y a, comment dirais-je, une sorte de régularité du geste qui prouve mmh. que ça n'est pas une main malhabile qu'on a tenue pour signer. Oui, Et puis il y a d'autres éléments qui prouvent que euh, elle, euh, elle, sait lire au moment où elle est euh, enfermée à Rouen. Elle demande à lire justement une, une des pièces du procès euh, qu'on lui fait au même moment. Enfin, euh, tous ces éléments. Euh, concours, me semble-t-il, à dire que Jeanne n'est pas analphabète. Elle est peut-être illettrée, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas le latin, mais elle sait euh, lire et elle sait, euh, et elle sait signer. Mmh. Il y a euh, cette expression qu'on reprend toujours lorsqu'elle est interrogée, donc à Poitiers, « je ne sais ni A ni B ». Oui, mais on l'interroge, euh, c'est un parterre de prélats qui l'interroge, sur des questions de théologie, et en théologie, et c'est sûr… Euh, Jeanne fait preuve d'humilité, comme tout un chacun quand on vient dans son extraction. Mmh. Alors justement, en propos de théologie, l'importance de, de, de la foi euh, chez Jeanne, est-ce qu'on peut dire que c'est une exaltée, que c'est une mystique, euh, ou alors elle est simplement euh, une pieuse, une croyante de, de son temps euh, Ça n'est pas une exaltée, ça n'est pas proprement dit non plus une mystique. Hein. Euh, mais c'est une femme profondément pieuse et elle en donne des témoignages, ou plutôt ce sont les gens de son village qui révèlent cette, cette profonde piété. Les, les jeunes gens disent oh, elle ne venait pas très souvent jouer avec nous, préférant se rendre à l'église pour prier elle y allait même plusieurs fois par jour. Donc euh, cette piété profonde, on la mesure très bien dès l'enfance de Jeanne. Mais les voix qu'elle entend, ses conseils, comme elle dit, comme un côté un peu un peu mystique dans. A... C'est un... enfin, vrai que vous n'abordez pas le sujet spirituel. Euh... Enfin... J'essaie d'aborder le personnage sur le plan le plus historique possible, plus sans possible. évacuer non plus la dimension sacrée. Mm -hmm. Ça n'aurait pas de sens. Euh, mais c'est vrai que je n'y consacre pas des pages particulières. Euh, il faut bien comprendre qu'au Moyen Âge, lorsqu'on est profondément pieux, on peut se sentir. Euh, comment dirais-je, inspiré mmh. euh, et que euh, la foi peut se manifester de différentes manières par des signes, par des voix, par des rêves et donc euh, Jeanne euh, est inspirée dans un moment extrêmement difficile euh, le village a déjà été attaqué, a été attaqué à plusieurs reprises donc euh, c'est aussi ce que j'essaie de montrer dans le livre Jeanne c'est une enfant de la guerre c'est une enfant qui vit dans un contexte extrêmement tendu, mmh. violent et au fond, euh, sa foi, elle va la trouver dans le combat armé, placée sous la protection divine, plus que placée sous la protection divine, là aussi, inspirée pas, par. Euh, donc on peut dire que euh, c'est la, la foi qui lui donne sa force. Tout à fait. Principalement. Tout à fait. Alors, euh, maintenant, est-ce qu'on arrive à. Donc, elle va rencontrer. Elle le rencontre, Robert de ou… Je ne pense on pas, c'est son père. Son père euh... En revanche, elle va rencontrer Robert de, de Baudricourt. Alors elle Robert. Ran... Justement, elle rencontre Robert de Baudricourt, qui est un frère d'armes hein, de Robert de Sarbreu, qu'ils combattent ensemble. Ils sont dans le même camp politique. Mm -hmm. euh... Mais on voit bien, peut-être, est-ce lié à la proximité de la famille de cette jeune femme, que, au fond, ils ne sont pas fascinés Je ne sais pas. Il y a des clés qui, qui sont. J'ose pas dire définitivement perdu, mais en tout cas, auquel on n'accédera peut-être pas facilement. Euh, non, Baudricourt n'est pas fasciné par, euh, par Jeanne d'Arc, pas plus que Robert de Sarbreu. Ah, il n'est fasciné, mais il va quand même l'aider, là, ce a oui, Mais. À... Il... Ah, Effectivement, euh, Robert. c'est -ce une façon, finalement, de botter en touche, de s'en débarrasser, non Non, en fait, ce que, ce que, ce que j'ai montré aussi, parce qu'on n'y avait pas accordé peut-être d'importance, c'est qu'il y a. Il y a dans l'entourage de, de Robert de saint un messager qui, qui se charge de faire le lien entre vos couleurs et Chinon au Poitiers, en tout cas là où réside mmh. le, le dauphin. On sait que celui-ci entretient une correspondance avec tous ses officiers. Donc la rumeur qui très vite accompagne Jeanne, une rumeur positive, la mmh. popularité qui croît autour de, de Jeanne, euh, incite sans doute Baudricourt à envoyer un message au dauphin pour, pour l'interroger sur. L'intérêt peut-être d'une rencontre, puisque c'est ce que veut Jeanne, mm -hmm. alors que Baudricourt l'a renvoyé, euh, oui. presque Manu Militari, euh, mm -hmm. dans sa famille. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on arrive, est-ce que vous avez réussi à comprendre euh, comment cette société guerrière, fait, fait d'hommes plutôt durs, euh, arrive-t-il à faire confiance à Jeanne Et Il décèle en elle euh, un petit quelque chose en disant tiens, ça pourrait, ça pourrait nous servir C'est l'aspect le plus mystérieux de l'épopée de, de Jeanne. – L'un des aspects les plus mystérieux. Euh, pour reprendre l'exemple de Baudricourt, qui, qui, qui est le point initial de, de l'épopée, euh, au fond on comprend bien qu'il euh, qu lui donne cet accès au dauphin parce qu'il a reçu un ordre, donc mm -hmm. c'est un, un choix politique après tout. – Il reçoit l'ordre du dauphin, enfin, il va faire venir parce qu'on commence à parler de Jeanne. – On commence à parler de Jeanne et que… Il serait peut-être utile de la rencontrer. On a parlé aussi dans l'entourage du dauphin de Yolande d'Aragon, qui est une fine politique, une fine stratège, qui se dit que, pourquoi pas, hein, mmh. il faudrait sans doute rencontrer cette, cette jeune femme. Euh, après, elle va croiser euh, de grands capitaines de guerre au cours de, de, de son périple. C'est vrai que euh, lorsqu'elle rencontre Jean d'Alençon, on a l'impression... Mmh. Là encore, je parle d'impression, parce que nous n'avons pas de preuves, si ce n'est le témoignage d'Alençon lui-même, qui, euh, qui traduit son affection pour, pour Jeanne. Elle est réelle. Euh, une fascination, peut-être pour la mission, euh, la force qui se dégage de Jeanne. On aurait tendance à dire une espèce d'auréole qui, euh, oui. qui, 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 qui l'entoure déjà, euh, et qui, qui la rend fascinante. Donc… Euh, même lorsque l'on reprend le témoignage de, de, de Jean Donlon, qui dit bon, au fond, euh, nous, nous étions des hommes de guerre, mais nous, nous, nous respections Jeanne, comme s'il si se dégageait une force. Quelque une, chose de, te, de, alors, de cette. Jeune donc on femme. peut dire quand même que ces hommes de guerre, parce que bon, ça, il faut replacer dans l'époque, sont sensibles aussi au message divin, certainement. Ils sont sensibles au message divin, ils sont sensibles au merveilleux, comme tous les hommes et les femmes du Moyen Âge. Mmh. Ben, – Ils y voient quand même une, une occasion politique. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, est-ce que Jeanne était à cette époque, est-ce qu'il la voit comme une égérie, un porte-drapeau, une passionnariat, une prophétesse C'est pas la première en plus, ce femme qui se manifeste, je crois, sur, tu le, vois, y a une, sur le terrain. Y – Il a, y, a y a une vague… De, 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 de prophétisme féminin anti-anglais euh, à l'époque, euh, euh, mais euh, pour, Donc, euh, pour revenir pour à votre peau, alors, pour, pour revenir à votre question, je pense qu'il faut distinguer le roi de ses capitaines. Oui. Et, euh, non, je parle des capitaines, hein, c'est l'armée vraiment. Pour ce qui est des capitaines, euh, je pense qu'elles leur apportent cette légitimité portée justement par le message divin. C'est mm -hmm. qu'au Moyen Âge euh, celui qui est dans son bon droit et celui que Dieu a désigné et que Dieu a choisi. Au fond, elle est cette part de légitimité divine euh, qui leur donne ce surcroît d'assurance, hein, de confiance. Et, et, et dans le combat, euh, c'est le cas à Orléans, mais pas seulement, euh, euh, c'est elle qui va, au fond, les ramener à chaque fois à mmh. l'assaut et leur redonner courage. Mais d'hommes. Je n'irai pas jusque là. Euh, que j'imagine sur un champ de bataille, il fallait des grosses voix aussi pour se entendre euh, ou le commandement on se, utilise, donna, on se donnait u... la voix à l'époque. C'est vrai, mais on utilise aussi beaucoup euh, les, les, les bannières et les étendards. Oui. C'est comme ça qu'on guide euh, mm -hmm. matériellement. Elle a aussi son étendard. Oui. Elle a aussi son étendard. Qu Elle préfère et... à son épée. Voilà, c'est avec l'étendard qu'elle ramène ses hommes euh, donc euh, à la bataille. Cet étendard qui se distingue par ses couleurs, justement, hein, dans le champ de bataille. Donc euh, euh, – Ils il la suivent, c'est étonnant, mais sans doute par cette adhésion religieuse qu'elle qu'elle porte. Mmh. Et d'ailleurs, comment se passe son son intégration, si je puis dire, dans l'armée euh, J'ai lu que dans certains textes, qui disent, certains textes disent qu'elle est experte dans les choses de la guerre. Est-ce qu'elle a vraiment un talent euh, talent militaire elle a, Si je puis dire, l'instinct, le nez euh, pour la pour la tactique bon, il, il, il faut rester un peu un peu modéré dans dans, dans les propos. Euh, quoi qu'il en soit. Euh... Son intégration ne s'est pas faite non plus de soi. Euh, Lorsqu'elle arrive à Orléans, elle évite les lignes anglaises. C'est vrai que c'est un convoi de vivres, donc euh, on en a déjà perdu un à rouvray saint denis Donc là, il faut faire attention euh, à ce que les vivres hein, et les munitions euh, parviennent à, à bon port. Euh, mais euh, on la tient à écartée de l'état-major et des décisions qui se prennent. Donc euh, on, on la voit se rebeller. Alors on pourra dire oh c'est un discours construit qui montre la volonté de Jeanne plus forte que celle des, des grands capitaines, euh, mais on a quand même le sentiment qu'elle a gagné cette confiance, hein, cette reconnaissance euh, au fil au fil des jours auprès de ces, ces hommes de guerre. Donc elle assiste aux réunions de major si on peut dire. Elle, elle, euh... elle s'y impose, euh, elle s'y ouais. impose, euh, et en tout cas elle prend des initiatives. Mm -hmm. et, euh, et l'aïr la suit. Là voilà aussi, on se demande pourquoi, s'il y a bien un homme euh, peu versé dans les choses de leur religion. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. C'est bien, c'est bien laïr. Mais pour autant, euh, elle doit apprendre. On raconte que Jean d'Alençon, la forme aussi à, mmh. à monter à cheval, à tenir la lance, même si elle ne combattra jamais à la lance. Euh, elle apprend, elle apprend très vite. Euh, lors du siège de, de, de Troyes, qui n'est pas vraiment un siège, mais en tout cas des préparatifs de siège, on raconte qu'elle donne des ordres sur la manière de prendre position, d'installer des dispositifs. Donc, euh, ça n'est pas une stratège, Mais qui est un grand stratège à ce moment-là On a beaucoup critiqué quand même hein, parfois mmh. les, choix, les choix militaires des, des capitaines en question. Euh, mais Jeanne, en tout cas, euh, eh bien, prend sa place, tient mmh. sa place. Et elle fait vraiment preuve d'un courage, d'un vrai courage physique. On la voit. Euh, au... Oui, elle est de été, la bataille, elle est en retrait. Elle a elle... été blessée, elle a oui. été blessée à, à Orléans, elle revient. Euh, mm -hmm. Elle sera blessée à Paris, elle a été blessée à Charjau. Donc euh, je pense que ça aussi, ça a, dû, euh, ça a dû marquer ces hommes de guerre et, et, et leur inspirer ce, ce respect mm -hmm. qu'ils ont pour elle. Donc en revanche, elle ne combat pas l'épée à la main non. Euh, sur euh, son cheval. Et, et comment se passe également cette on se passe cette, pro, euh, cette promiscuité euh, avec ces hommes sur euh, dans, 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 au camp euh, Ça a pas dû être facile non plus euh, tous les jours, j'imagine qu'elle restait pas en armure toute la journée et toute la nuit. Lorsqu'elle lorsqu chevauche jusqu'à jusqu Chinon, on a des témoignages qui disent qu'elle garde son armure, enfin pas, pas l'armure de plate, mm -hmm. en tout cas peut-être son, son, sa cote de maille. Hein. Donc non, elle ne s'est pas dévêtue dans un premier temps parce qu'elle se méfie des hommes de guerre, comme toute femme de, de ce temps. Mm -hmm. Son père hein, qui lui dit mais que vas-tu suivre les soldats mm -hmm. euh, Donc il y a évidemment un grand péril pour une femme à côtoyer, à côtoyer ces hommes-là. Mais il la respecte. Euh, Lorsqu'elle lorsqu s'arrête, par contre, dans des villes, qu'elle est accueillie dans des maisons, euh, elle dort avec les femmes. Hein, elle, euh, certaines ont témoigné de, de cela. Mmh. Elle le dira, d'ailleurs. Je préfère dormir avec les jeunes filles qu'avec les vieilles femmes. <laughs> euh, donc, il euh, y, a, y, a, y a la vie au camp, et il y a voilà. la vie… – Il y a quelques euh, témoignages aussi de, de soldats qui disent qu'ils l'aperçoivent. Euh, – Jean Dolon, qui euh, évidemment, enfin euh, je dis évidemment, non, euh, Jean Dolon évoque euh, sa, 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 son, son physique euh, en disant qu'elle a des jolis seins, qu'il qu a vu ses jambes nues. Donc, euh, effectivement, lorsqu'il faut revêtir l'armure et mmh. qu'on se change dans les camps… Euh, les, hommes, les hommes ont dû. Ont Et dû à propos dire, de physique, on a une représentation, parce que, la euh, couverture de votre livre, on a un tableau, il euh, y a mille représentations de jeunes d'art qui se ressemblent toutes plus ou moins, mais est-ce qu'on est qu arrive à. Est ce qu'il y a une description physique euh... Non, euh, pas complète en tout cas, ouais. euh, malheureusement non. On a un petit dessin qui a été euh, fait en marge d'un registre euh, au Parlement de Paris. C'est un dessin à la plume très oui, stéréotypé, mais non, on ne peut pas distinguer euh, à proprement dit des traits. On sait qu'elle est plutôt châtain, euh, comme une fille de la campagne. Elle doit être assez robuste, oui, une grande et costaude. Euh, voilà. Donc euh, après, il euh, y, y a quelques éléments autour de la construction, euh, la fabrication, pardon, de, de, de son armure qui pourraient donner des, des éléments, mais bon, il est difficile quand même d'en savoir plus. Mais on est loin, peut-être qu'on en reparlera, des, des figures un peu éthérées qu'on qu oui. voit dans le cinéma. Exactement. Euh, maintenant, est sa, on parlait de ses relations avec les, les grands capitaines, ses relations avec le dauphin, le, le roi le, le d'ailleurs, enfin, parce qu'il est couronné. Euh, le roi, la relation a l'air assez, euh, assez ambivalente. C'est vrai. Gens, euh... la, la réalité de la rencontre de Chinon, là on est un peu dans le... Oui, dans là, là, je pense qu'on est dans, on, on est, on est dans la légende et dans la, la construction. Euh, on pense même que peut-être y avait-il eu un entretien au préalable avec le dauphin avant cette grande réunion mm -hmm. dans la grande salle où elle vient le reconnaître. On peut tout imaginer, mais au fond, c'est pas très important. J'ai laissé de côté la question de la triple donation. Oui. Hein. Mais possible. je ne posais pas de question dessus. Mais euh, c'est assez compliqué de savoir quel est le fond de la pensée de Charles VII, pour Jeanne d'Arc comme pour le reste d'ailleurs, mmh. euh, si ce n'est que j'y vois au fond euh, une forme d'opportunité politique. Il l'instrumentalise Il faut bien voir quand même qu'à ce moment-là, la situation du Royaume de France est catastrophique, parce qu'on évoque la pression des Anglais sur la Loire en 1428. Euh, on oublie qu'il y en a une aussi sur vos couleurs au même moment. Mmh. C'est aussi pour ça que Baudricourt a d'autres chats à fouetter que de recevoir cette petite paysanne euh, inspirée. Bon, mais euh, la menace euh, anglaise est si forte qu'après tout, euh, pourquoi pas euh, écouter cette jeune femme qui peut-être euh, va redonner un peu de force à ses troupes, un sens à leur combat. Donc là, il fait preuve finalement d'un bon sens, euh, un politique. bon sens politique. Même s'il si instrumentalise. Et alors, en revanche, euh... il y mettra beaucoup de précautions quand même. Oui. Hein, il ne faut pas oublier qu'elle elle va être examinée à Poitiers euh, par euh, un certain nombre de prélats qui vont l'interroger. Alors, on l'avait déjà, euh, on l'avait déjà un peu examinée à vos couleurs, hein, puisqu'on lui envoie un exorciste. Mm -hmm. euh, mais Lorsqu'elle lorsqu va être interrogée à, à Poitiers, malheureusement, cette enquête a disparu, tous les prélats reconnaissent que la mission de Jeanne est bonne et pure, et qu'elle peut poursuivre. Donc euh, Charles a pris ses précautions, et on le comprend aisément. Mais alors on a l'impression qu'après l'échec de, de Paris, leur chemin se, se sépare. Déjà avant, ah, déjà avant. Déjà avant. Au fond, euh, après le, le sacre, il euh, ne faut pas oublier non plus qu'au moment euh, du siège d'Orléans, les Bourguignons ont quitté la place. Et que euh, durant la guerre de Cent Ans, très souvent, les opérations diplomatiques suivent les opérations militaires en oui. parallèle. Et euh, Charles, euh, Charles est présent sur, sur les champs de bataille, euh, même si ça n'est pas un chef de guerre, il est là. Pour autant, son choix, son inclinaison va plutôt à la, politi à la politique et à la diplomatie. Mmh. Euh, lorsque, euh, lorsque Jeanne veut amener euh, les troupes royales autour de Paris, euh, déjà Charles VII euh, est beaucoup plus réservé pour des raisons objectives. Prendre Paris, c'est quand même quand un, même une autre un, un enjeu euh, mmh. d'une autre dimension. Et puis, et puis parce qu'il a, il a, euh, a repris les négociations avec le duc de Bourgogne. Mmh. Alors les euh, comment dire euh, les Anglais, enfin pas les Anglais, les Bourguignons euh, capturent euh, Jeanne à Compiègne. Euh, Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que Charles VII là, la lâche véritablement parce qu'elle euh, est considérée comme prisonnière de guerre Alors ce qui est intéressant, c'est euh, de voir qu'après l'échec de Paris, je remonte un tout petit peu oui. en, en arrière. Euh, après l'échec de, 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 devant Paris. C'est vrai que Charles VII licencie, euh, licencie ses armées. Euh, Jeanne garde une petite troupe quand même. Hein. Elle a quelques moyens, elle a des chevaux. Euh, on va d'ailleurs l'envoyer euh, guerroyer contre la Charité sur Loire. Euh, et et, euh, et c'est vrai que on a une période là très flottante où Jeanne ronge un peu son frein. On ne va plus faire appel à ses services. Jean d'Alençon hein, voulait l'emmener avec, euh, avec lui en Normandie pour combattre à nouveau les Anglais, le roi s'y si, si oppose. Et au fond, ce sont les euh, gens de Compiègne qui vont demander l'aide de Jeanne. C'est là où on retrouve toute l'importance de la correspondance que Jeanne a entretenue pendant euh, ces longs mois avec euh, différentes villes du royaume. Cet attachement aussi mmh. euh, populaire euh, qu'elle qu a suscité. Et, euh, et Jeanne euh, vient. Euh, vient euh, pour euh, réconforter et, euh, et aider euh, les habitants de Compiègne. C'est lors d'une malheureuse sortie hein, qu'elle est, euh, qu est capturée. Donc là, euh, évidemment, c'est la fin d'une épopée qui euh, avait déjà euh, changé de, de, de tonalité. C'est-à-dire que le... Je bah vous qu euh, plus de moyens. Parce que c'est vrai, Charles VII euh, est à nouveau euh, empêtré dans ses... Question politique qui, euh, qui divise sa cour. D'ailleurs, autour ouais. de Charles VII, il n'y a pas que des partisans de, de Jeanne. Je pense à Renaud-Chartres en particulier, euh, l'évêque de Reims, qui se dit qu'après tout, bon, euh, il faudrait peut-être prendre quelques distances. Et puis l'Université de Paris commence à murmurer on quand on contre, contre Jeanne. Donc ouais. euh, après tout, euh, bon, Jeanne est, est devenue peut-être un Et peu trop encombrante. – Vous avez évoqué okay, tout à l'heure, ces, ces grands capitaines, ces seigneurs qui devaient recouvrer des, des terres, qui cherchaient des terres. Il y a un rapport avec euh, le fait qu'elles soient lâchées au bout d'un moment ou... ?– non, 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 je crois que ce sont vraiment des raisons politiques qui, qui font que Charles VII fait ce choix-là. Il y a un autre élément euh, dont on parle peu, c'est que euh, les Anglais vont se plaindre… Euh, à Charles VII de, lui faire, de leur faire euh, la guerre de manière déloyale. Cette ouais. femme n'a pas sa place sur les champs de bataille. Ça n'est pas bien. <laughs> c'est contraire aux usages de la guerre, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Mais euh, bon. Et puis, euh, puis c'est vrai que Charles VII veut mener la guerre différemment sans Jeanne. Il veut la mener sans, comme... sans le recours de Jeanne. Il veut l'écarter tout simplement. Mais est-ce il, il il écrit il, 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 il explique pas pour, Il n'explique pas pourquoi. Non. D'accord. Elle lui fait pas d'ombre, en tout cas. Et... Non, mais euh, quoi qu'il en soit, c'est au roi et à ses capitaines de reprendre en main cette guerre. Et, euh, les... et si Jeanne a été utile quelque temps, bon, maintenant il faut mmh. que les choses rentrent dans l'ordre et la guerre suive son cours. Donc à partir du moment où elle est capturée, il ne fait strictement rien pour, euh, pour la racheter. Il laisse euh, les Bourguignons et les Anglais s'en débrouiller. Et personne d'autre n'essaie de la, de la racheter parmi ses amis. Il n'y a pas de tentative. Ah, si, euh, l'Aïr aurait bien voulu euh, tenter euh, de, 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 de l'arracher des griffes euh, de ces de 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 geôliers, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de proposition de, de rachat, comme n'importe quel euh, homme de guerre oui. euh, pourrait l'espérer. On est dans un temps où les rançons sont extrêmement nombreuses. Hein, donc on capture un, un capitaine, on capture un homme d'armes et oui, on, un vrai on exige une, une rançon. C'est un vrai marché, mmh. tout à fait. Sauf que là, euh, elle est dans une sorte de statut un peu ambigu. Euh, on la reconnaît comme capitaine. Les Anglais, d'ailleurs, euh, dans, un, dans un document, la qualifient de prisonnière de guerre. C'est très intéressant. Donc ils lui reconnaissent ce statut. Euh, mais sauf qu'au fond, euh, il n'a jamais été euh, accrédité, ce statut, puisqu'il n'a mmh. pas fonctionné. Et qu'aucune rançon n'a été proposée pour la racheter. Donc, elle tombe aux mains des Anglais par l'intermédiaire. Qui, pour le des... coup, la rachète, mais pas, mais pas pour la libérer. – Voilà, donc c'est l'évêque Pierre Cochon, bien, bien connu. Mais alors, qui est réellement à la manœuvre derrière son procès et ensuite son, son exécution Ce sont les Anglais, ce sont les Bourguignons. Elle fait, elle fait peur à qui Elle fait peur aux Anglais. Réellement Elle fait peur aux Anglais. J'évoquais tout à l'heure la lettre de, de Bedford au roi en lui disant que ça n'est pas ainsi que l'on fait la guerre. Et euh, il y a aussi euh, chez, chez les Anglais une forme de, de superstition euh, qui euh, va pousser d'ailleurs un certain nombre d'entre eux à, à, à fuir, à déserter. Hein. Y, on a des mandements anglais qui interdisent aux, aux soldats anglais de, de franchir la, la Manche. Oui. Euh, C'est un. Comment dirais-je une situation un peu ambivalente. Il l'injurie, il la méprise euh, et il la craignent en même temps. Hein. Et quand ils disent que c'est une sorcière, il y a cette peur, effectivement, de la voir paraître et, et de, de leur jeter un mauvais sort et donc de les éculer à, à la défaite. C'est effectivement un élément très important chez les Anglais. Ils veulent, ils, ils veulent la perte de, de, de Jeanne. Cochon serait prêt à l'enfermer. Euh, les Anglais veulent vraiment s'en débarrasser. Parce qu'en plus ils se sont rendus compte, oui, ça galvanise les troupes, donc ça présente aussi un autre danger. Oui, mais danger. parce que je pense qu'ils eux aussi partagent. Ça, ils sont sensibles au merveilleux, mais. Mais oui, mais d'une autre, autre manière, en se disant, elle, elle apporte au fond la mm -hmm. main de Dieu du côté des, des Français, et donc il faut il faut à toute à toute force écarter et éliminer cette femme. Mm -hmm. Alors quelle est son attitude pendant son procès Est-ce que ce procès donne encore un éclairage sur la personnalité de de Jeanne d'Arc. Oui, son procès, alors son procès a été bien étudié, son procès en condamnation a été bien étudié. et Il révèle dans ses nombreuses pages la, la force, le courage de, de Jeanne. C'est une autre forme de courage, cette fois, qui, qui s'exprime et qui force encore notre admiration. Quand on lit les pages du procès en condamnation, c'est flagrant. Donc, euh, oui, ça a été de longs mois de tourment pour, pour mmh. cette jeune femme. Elle essaie de s'évader, je crois. Avant d'arriver à, à Rouen, oui, oui. Elle va, elle va essayer de fuir. Elle va, elle va, elle va sauter aussi d'une tour, hein, puisque elle sait qu'elle va être rendue aux Anglais et elle ne craint rien de pire que cela. Donc c'est vrai que Jeanne craint. Euh, ce, ce moment, lorsqu'elle est enfermée euh, dans la geôle de Rouen, c'est assez terrible hein, puisqu'elle qu'elle a des gardiens devant sa porte, mais aussi dans sa porte, qu'elle dort enchaînée. Donc, il faut bien avoir euh, à l'esprit dans quelles conditions de détention elle a été euh, tenue. Euh, c'est euh, déjà un supplice avant le supplice, si je puis dire. Mmh. Mais elle fait preuve donc de courage, mais également on constate d'un vrai sens de la rhétorique. Elle ne perd pas ses moyens non plus. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est là, là aussi où on peut dire que Jeanne n'est pas euh, cette jeune femme analphabète euh, qu'on voudrait euh, euh, nous faire croire euh, parfois. Elle, elle, est, elle est forte aussi effectivement dans ses réponses, en disant que euh, elle sait qu'elle est une bonne chrétienne. Et, et tous ces grands docteurs de la foi ne la font pas euh, faillir. En tout cas, elle reste ferme dans ses positions. Elle défend toujours le dauphin, donc elle est oui. admirable dans, dans ses réponses et dans sa défense. Est-ce qu'elle a une chance euh, d'échapper au supplice parce qu'on lui demande d'abjurer, on lui demande de se réhabiller en enfin, femme, mais finalement, il euh, bah, y a une espèce de, de magouille, si je puis dire, oui, euh, carcére. Il y a plusieurs entorses dans, dans, dans ce procès. Si elle est prisonnière euh, de guerre, elle aurait dû bénéficier de la possibilité d'un rachat par rançon. Euh, si en revanche il s'agit bien d'un procès euh, ecclésiastique, ce qui est le cas, elle aurait dû être enfermée dans une prison d'église et non dans ce château de Rouen comme elle le fut. Donc il y a des choses qui sont effectivement euh, contradictoires. Mmh. Euh, Est-ce qu'elle aurait pu échapper à la mort euh, Oui, c'était ce que souhaitait au fond euh, Cochon, c'est-à-dire la prison perpétuelle. Et Jeanne s'est raccrochée à cette... Euh, dernière solution, cette dernière option, euh, c'est l'abjuration du, de, de du cimetière de, de Saint-Ouen, où on lui, on lui montre l'échafaud et, et où elle signe. On ne ouais. sait pas très bien ce qu'elle a signé. Il euh, y, y a des doutes hein, sur le, le document, ni sur la manière dont elle l'a signé. Mais quoi qu'il en soit, elle a espéré échapper donc, à, à, cette, à cette fin terrible. Et puis on la ramène on la ramène dans, dans, sa, dans sa geôle. Et il y a euh, ce tour de passe-passe qui, euh, qui est assez cruel, puisqu'en fait, euh, elle accepte de prendre des habits de femme, puisqu'on lui promet la prison, oui. et euh, vraisemblablement une agression au sein même de, de, sa, de, de, de sa cellule, qui, qui la contraigne d'abord à être dévêtue, et puis, et puis à revêtir des habits d'homme, puisqu'elle n'a plus que ça pour, pour s'habiller. Et à partir de ce moment-là, puisque l'on constate qu'elle a renié euh, mm -hmm. ce qu'elle avait euh, abjuré, elle devient un relapse, hein, puisqu'elle est retombée dans l'erreur. Et à partir de là, il n'y a plus, plus de rachat possible. Est-ce que l'on sait sa, sa réaction lorsqu'elle apprend sa condamnation à mort sur un supplice qui, en plus, est, est assez atroce euh, Est-ce qu'elle fait preuve toujours du même courage, même en allant, euh, en montant sur le bûcher Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on a des sources là-dessus mm -mm connaît le moment par différents témoins, directs ou indirects, de, 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 ce, de ce terrible supplice. Elle, elle pleure sur, sur, sur le bûcher et on imagine bien pourquoi. C'est une, une peine terrible pour une chrétienne que de voir ses cendres éparpillées au vent sans pouvoir être inhumée dans mmh. un... Dans un Territoire, dans un sol consacré, dans une terre consacrée. Okay. Donc euh, il n'y a pas pire, il n'y a pas pire exécution. Euh, elle ne bénéficie physiquement non plus. Physiquement non plus. Alors au Moyen Âge, lorsqu'on condamne euh, des individus au, au bûcher, le, le bourreau, euh, c'est un geste d'humanité un peu euh, terrible que je, je, vais, je vais évoquer. Mais euh, on, on peut étrangler la personne mmh. pour qu'elle ne, ne subisse pas euh, donc euh, l'assaut des flammes. Euh, en, en général, ils peuvent être étouffés par le gaz carbonique avant même. Mais bon, ouais. je ne veux pas rentrer dans des non, détails non. <laughs> euh, euh, techniques. Hein. Mais, euh, mais Jeanne ne bénéficiera même pas de cette clémence-là. Euh, voilà, on cite souvent Gilles Le Ray, qui finira sur le bûcher, mais euh, qu'on a quand même tué avant de le livrer euh, aux flammes. Non, Jeanne euh, subira, euh, subira les rigueurs de sa peine jusqu'au bout, et c'est ce qui la rend encore plus, euh, comment dirais-je, courageuse. Dans, dans cette terrible épreuve. Elle pleure beaucoup, elle appelle Jésus, elle réclame aussi une croix. Hein. Mm -hmm. C'est même un soldat anglais qui va fabriquer… – On lui donne le droit de se confesser et de communier elle, avant… De... – Oui, de... mais c'est tout le paradoxe, là encore, ah. ou des entorses de ce procès, puisqu'elle est relapse, mais on, on accepte de la confesser dans sa cellule avant qu'elle ne soit condamnée. Mm. Donc, euh, il, il y a des gestes de piété, on, on raconte qu'il y a aussi des, des hommes et des femmes qui ont pleuré euh, face au bûcher… Que le bourreau lui-même hein, va renoncer plus tard à son office après cette exécution. Alors parlons maintenant de, de la notoriété de, de Jeanne dans le royaume. Vous nous disiez tout à l'heure qu'avant même qu'elle ne, qu ne rencontre Charles VII, elle commence déjà à être un peu connue, donc elle, elle fait parler d'elle. Est-ce euh, qu'on peut même parler de, de célébrité Comment ça se passe Ça va croissant au fur et à mesure de, de, son, de son épopée oui, elle, elle, est, euh, elle est très vite entourée de, de cette aura. Euh, à vos couleurs, on sait qu'elle a, des, elle a des, des partisans et que, euh, euh, déjà en Lorraine, le duc de Lorraine veut la voir. Il n'a pas très bien compris quelle était sa mission. Mmh. Peut-être qu'elle est un peu magicienne et qu'elle va le guérir. Enfin bon. euh, mais sa euh, notoriété croît très vite beaucoup plus dans les gens du peuple que dans les élites. Et c'est cette, euh, cette aura, c'est cette notoriété qui, euh, qui va très vite se répandre dans le royaume. En fait, on imagine euh, mal qu'au Moyen Âge, euh, les informations circulent aussi, circulent vite. Hein. C'est un, un bouche à oreille. – Oui, il y, a, il y a des marchands sur les routes, sur les fleuves. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, lorsqu'elle lorsqu lorsqu traverse la Loire pour se rendre à Chinon, vraisemblablement, des bateliers vont prévenir les, les mmh. habitants d'Orléans. Elle doit, arriver, elle doit arriver de nuit, justement, pour que son entrée soit discrète, mais rien n'y fait. Les gens d'Orléans l'attendent dans une liesse et une foule. Oui, on essaie de, de la toucher, on raconte même qu'elle ressuscite un enfant. Enfin, il y a des choses là où... Oui, plus tard, effectivement. Ouais. Cette, cette ferveur populaire qui, en, qui entoure Jeanne sera là très vite, très tôt et ne, ne va jamais se démentir. Effectivement, les, les femmes veulent la voir, la toucher, lui faire toucher mmh. des médailles. Elle n'aime pas tellement euh, euh, cela, d'ailleurs. Euh, mais euh, en parlant des femmes, il faut dire aussi que euh, les femmes et les femmes de l'aristocratie vont demander à voir Jeanne. Il y a aussi une fascination pour ces grandes dames, pour ces dames de la noblesse, euh, de, 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 de ce personnage qu'incarne déjà Jeanne. Elle mmh. est déjà une figure. Et donc, est-ce que son exécution provoque euh, je dirais, un traumatisme national ou une, euh, difficile Est-ce qu'il y a un chagrin euh, collectif euh, c'est difficile de le mesurer. C'est des... difficile de le mesurer euh, après, euh, juste après l'exécution, on a, euh, on a effectivement des témoignages de la scène même de gens qui pleurent, mais euh, le retentissement sera sans doute très grand, euh, mais il est difficile de le mesurer, si ce n'est d'attendre le procès en nullité, 1456, pour avoir des gens qui témoignent. Mais on, on... ils témoignent de leur affection pour Jeanne. Mm -hmm. Euh, C'est pourquoi on ne doit pas douter de, de ces témoins euh, qui n'ont pas été instrumentalisés politiquement. Euh, mais ils n'évoquent pas la tristesse, ils parlent de leur attachement, de, de, mmh. de ce lien affectif. Et surtout qu'elle participe vraiment à la naissance du sentiment national enfin, D'abord une résistance populaire à l'anglais, puis euh, le sentiment national euh, Jeanne s'incarne dans un moment euh, très particulier de la guerre de 100 ans, la deuxième partie de la guerre de 100 ans. Qui, au fond, ne se traduit plus comme un conflit entre deux princes, mais entre deux peuples. Mmh. Il y a des libelles qui s'échangent des deux côtés de la Manche, où on s'injurie euh, copieusement. Euh, il y a des traités politiques qui vont naître euh, à la suite du traité de Troyes, qui abandonne quand même la couronne de France au vainqueur d'Azincourt. Ah oui, euh, euh, et donc, euh, ce régent, personne n'en veut, parce qu'il est régent d'abord, Henri V. Bon, il meurt avant Charles VI. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, les effets du traité de Troyes vont aussi avoir une incidence sur le sol français. Euh, des, euh, des, des juristes, des, des, des penseurs vont s'opposer à cet effet du traité, le dénonçant comme, comme inique et illégal. Euh, la, la souveraineté euh, n'est pas accessible comme un bien privé euh, et euh, dans des territoires occupés, parce que même si les Anglais sont légitimement euh, installé euh, en France, cela ne va pas de soi. Mmh. Henri V doit faire la guerre pour imposer son autorité, demander le serment à tous les sujets du royaume. En Normandie, où ils sont euh, très présents, euh, où ils vont chasser euh, des nobles de leur terres, où ils vont chasser des petits aussi mmh. de leurs maisons et, et de leurs ateliers, il y a une résistance euh, spontanée qui va naître euh, à l'occupant anglais, mmh. de tous ces hommes, mais de ces femmes aussi qui vont vivre 10, 20, 30 ans dans les forêts. Euh, cette une, résistance, vraie, une vraie résistance, une vraie populaire. résistance populaire qui n'est guidée et commandée par personne euh, elle, est, elle, est, elle est évidemment très forte en Normandie il y a, il y a des soulèvements d'ailleurs euh, on n'a pas le temps d'en parler mmh. mais euh, il y a, a d'autres euh, comment dirais-je réseaux de résistance euh, j'évoquais euh, vos couleurs bon, évidemment c'est une terre royale mais à Neuchâtel euh, qui n'est pas, euh, pas une ville française il y a des partisans du Dauphin et Jeanne, elle gravite quand même dans un environnement politique où il y a euh, des gens qui tiennent pour le parti du Dauphin. Donc euh, Jeanne s'inscrit aussi dans ce mouvement de résistance euh, populaire de ces petites gens qui prétendent, mais avec force et raison, euh, que les Anglais n'ont pas de légitimité à rester là en France. Et euh... 600 ans après, avec le recul euh, des, des historiens, est-ce qu'on peut dire que vraiment ce fut un personnage euh, clé, providentiel Est-ce que les choses auraient été très différentes sans Jeanne d'Arc, finalement L'historien ne peut pas répondre à cette non, question. On ne peut pas faire du chronique. <laughs> voilà. Mais... Euh, mais oui, elle fut un personnage euh, providentiel. Euh... Vous le savez aussi bien que moi, on a souvent fait un parallèle entre Jeanne d'Arc et De Gaulle. Donc, il y a comme ça, dans les moments où la France est entrée dans une crise profonde, des hommes, une femme, mm -hmm. pour euh, redresser la tête et, et combattre ce, ce destin funeste. Donc, oui, elle a à un moment donné euh, bougé les lignes, et pour autant, il faudra encore attendre de nombreuses années avant que le roi recouvre pleinement son territoire. Alors il nous reste quelques quelques minutes pour une question plus personnelle. Euh, quel est votre rapport à Jeanne d'Arc après l'avoir euh, étudiée euh, Vous la représentez comment Vous l'incarnez comment On a parlé un peu de, de cinéma. Vous évoquez le cinéma tout à l'heure. On a, euh, je crois que le, le, le premier, la première représentation cinématographique date de 1898. On, on a Ingrid Bergman. On en a d'autres qui sont totalement diaphane, exaltée, auréolée de, de blanc. Et puis on a euh, on a la Jeanne d'Arc cocaïnomane de, de Luc Besson, euh, ou Sandrine Bonnet aussi, je crois, dans le film oui, de, 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 de Rivette. Euh, vous, vous la présentez comment et quel est votre rapport à, à Jeanne d'Arc ?– il, il est difficile pour moi de, de résumer en, en quelques mots mon rapport à, à Jeanne d'Arc. Il y a une fascination, une admiration, c'est évident, pour le courage de cette femme, elle est, elle est une, une lumière pour… Euh, pour ces moments difficiles où tout le monde, mmh. tout le monde doute hein, et où il y a comme ça des personnalités très fortes qui vont emporter l'enthousiasme des autres. Euh, et, et pour ce qui est du cinéma, c'est vrai qu'au fond, il euh, n'y a pas beaucoup de films qui euh, qui puissent correspondre à l'image que je peux m'en faire, hein, mmh. mais c'est une opinion personnelle. Moi, j'aime bien le, le film de Rivette. Moi, je trouve que Sandrine Bonner a à une certaine prestance physique, à mmh. une force physique. Elle n'est pas, justement, une petite brindille perchée sur un, sur un destrier. Donc, évidemment, on a parlé de, de, de Jeanne comme une paysanne et elle est formée, quand même, aussi aux travaux un peu rudes. Donc, elle devait être assez, assez solide physiquement. Donc, euh, non, c'est vrai que c'est difficile de trouver aujourd'hui une, une représentation juste. Parce qu'on n'en a pas non plus. Ouais. Hein. Alors moi, je, je, je travaille à un projet là. Mais, oui, j'ai demandé pour... quels étaient les... Mais l'avantage, c'est qu'en travaillant sur l'outil numérique, hein, puisqu'il s'agit en fait euh, d'un documentaire euh, à partir d'images numériques, hein, do... enfin, ce n'est pas vraiment un documentaire, puisqu'au fond, on raconte une histoire, hein, mais euh, sans utiliser des, des acteurs. Donc euh, ces images numériques nous permettent euh, des... des... Des précisions qu'on n'a pas forcément ni les moyens ni les possibilités de réunir derrière une caméra. Quand on regarde les, les, les films qui ont été tournés sur Jean-Dac, beaucoup plus d'ailleurs sur le procès que sur le volet militaire, mmh. euh, les armures font sourire, euh, enfin, ou les armements aussi, enfin, Besson et ses machines de guerre. Enfin, oui. donc, euh, or aujourd'hui on a un public, et un public de jeunes gens d'ailleurs, plus en plus exigeant sur ces questions euh, d'armure, d'armes, de vêtements. Euh... Oui, de, de coller à l'art. Voilà, donc euh, ah, c'est oui, vrai okay. que cette option euh, de création est intéressante. Ben, Tenez-nous au courant, nous en parlerons à nos téléspectateurs. Donc je rappelle Valérie Toureille, votre jeune d'Arc paru chez Perrin en, en 2020. Euh, vous allez maintenant retrouver la petite histoire de Christopher Lannes. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Je vais vous parler de l'incroyable Libération d'Orléans. Alors le contexte, il est pas jojo, je dois vous l'avouer, on est en pleine guerre de cent ans, la France est dans un état lamentable, déjà à l'époque, aujourd'hui on a l'habitude, mais lamentable. Le roi légitime Charles VII a été déshérité en 1420 par le traité de Troyes, la moitié de la France est occupée par les anglo-bourguignons, et là je vous mets une petite carte des familles qui va bien pour vous illustrer tout ça. Et le 17 octobre 1428, les Anglais décident de bon matin comme ça d'aller mettre le siège devant Orléans. Pourquoi Orléans déjà parce que c'est joli hein, on va pas se mentir et ensuite parce que c'est vraiment une ville clé, capitale, c'est une ville symbolique et en plus c'est le verrou de la Loire. Je vous remets la petite carte qui va bien. Vous voyez que si Orléans tombe, et eh bien les Anglais continuent leur progression vers le sud. Le sud, c'est-à-dire la France qu'occupe Charles VII, il vit actuellement à Bourges. Charles VII lui, il est complètement euh, démoralisé. Il attend qu'Orléans tombe et il songe déjà à se retirer dans le Dauphiné, voire carrément à quitter la France. Alors, c'est pour vous dire que quand Jeanne arrive, la France est dans un état critique, hein, on peut le dire. Et pourtant, grâce à elle, tout va changer en quelques mois, quelques semaines. Du haut de ses 17 ans et de ses 1m60, Jeanne va se muer en chef de guerre. Elle va aller rencontrer le roi à Chinon, elle va ensuite passer un examen, puis on va la désigner, après des entraînements et un équipement, comme chef de guerre. Chef de guerre, une gamine de 17 ans. La première mission de Jeanne, qui est envoyée de Dieu, guidée par ses voix, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, sa première mission, c'est de délivrer Orléans. Et ensuite d'aller faire sacrer Charles à Reims. Mais la première, c'est vraiment de délivrer Orléans. C'est pour vous dire à quel point cette ville... Le sort de cette ville était très important. Jeanne arrive à Orléans le 29 avril 1429. Alors là, vous vous doutez bien, elle fait une entrée triomphale dans la ville, parce qu'à Orléans, la situation aussi est critique, la famine règne et on n'attend plus qu'un miracle. Et eh bien ce miracle arrive enfin, Jeanne est là sur son cheval blanc, avec son étendard, on veut la toucher, on veut toucher cet ange, cet envoyé de Dieu. Jeanne est enfin à Orléans et elle n'a qu'une envie, c'est agir, foncer contre les Anglais, et on la comprend. Mais pour l'instant, il faut attendre. Le parti de l'inaction se manifeste déjà, il se manifestera tout au long de son aventure. On lui dit, et particulièrement le comte de Dunois, appelé aussi le bâtard d'Orléans, qui était chargé de la protection de la ville, on lui dit qu'il vaut mieux attendre les renforts préparés par le roi à Blois. Jeanne insiste, mais elle n'a pas le choix, alors pendant cinq jours, elle va devoir Attendre. Et que va-t-elle faire pendant ces 5 jours Elle va s'occuper comme tout le monde, j'ai envie de dire, en allant insulter les Anglais. Voilà, rien de plus normal. 4 mai 1429, les renforts envoyés par le roi arrivent enfin. Là, juste avant, je vais vous mettre une petite carte du siège d'Orléans pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Comme vous le voyez, la ville est encerclée par les Anglais qui ont construit tout un tas de bastides, de petits forts, de forteresses autour de la ville. Les portes de la ville sont inaccessibles à l'exception d'une seule, vous la voyez à l'est là, la porte de Bourgogne qui est gardée par la bastide Saint-Loup, mais qui est mal gardée. C'est par là que les vivres et les renforts arrivent encore. Et lorsque l'armée de secours arrive le 4 mai 1429, à cette porte de Bourgogne, eh bien, il y a des hommes qui vont tenter une sortie. Comme ça, sans consulter leur chef, ils voient qu'il y a des renforts qui arrivent, en avant Jeanneau, on y va. C'était courant à l'époque hein, de tenter des sorties, on avait un petit coup dans le nez, hop, on y allait. Quoi. Nous sommes alors en plein après-midi et Jeanne est en train de dormir à ce moment-là. Petite sieste, quoi, normal. Et là, nous dit son page, Jeanne a été miraculeusement réveillée par ses voix. Ces voix lui ont dit d'aller immédiatement contre les Anglais. Donc Jeanne se lève, arrive vers son page dans la précipitation, puis elle s'équipe elle monte sur son cheval elle se fait donner son étendard par la fenêtre et elle fonce droit au combat lorsqu'elle arrive à la bastide saint loup les français sont démoralisés ils sont en train de battre en retraite et lorsqu'ils aperçoivent jeanne ils se mettent à pousser des hurrahs et à repartir dans l'autre sens et l'assaut reprend avec vigueur. La Bastide tombera avant la nuit, Jeanne a été d'une vaillance extraordinaire au combat, toujours en première ligne, c'est sa première victoire. Le lendemain, 5 mai, c'est le jour de l'Ascension, alors le jour de fête religieuse est respecté, on ne combat pas. Mais dès le lendemain, le 6 mai, Jeanne repart à l'assaut alors qu'encore une fois, le parti de l'inaction ne voulait pas attaquer. Mais Jeanne entraîne les hommes avec elle et les amène devant la Bastide des Augustins qui est à l'extrémité du pont, comme vous le voyez sur la carte. Le combat va être violent, il va durer toute la journée et finalement la Bastide va être emportée. Encore une victoire pour Jeanne. Le soir de cette bataille, Jeanne prévient, attention, demain... Euh, le sang me sortira du corps par au-dessus de mon sein. Et bien c'est précisément ce qui va se passer, puisque le lendemain, le 7 mai, Jeanne arrive avec ses hommes, avec l'armée, devant la bastide des Augustins, qui finissait de bloquer le pont. Et je vous remets la carte. Je suis sympa quand même avec mes cartes. Elle avait dit qu'elle serait blessée au-dessus du sein, et c'est précisément ce qui va se passer, puisque lors de cet assaut, Jeanne va prendre elle-même une échelle, la poser contre la rempart et monter à l'assaut. Et là, elle va être touchée à l'épaule, par un trait d'arbalète. On emmène Jeanne à l'écart, la blessure est grave tout de même, alors on la soigne. Alors que fait-on à l'époque Déjà, Jeanne s'arrache la flèche elle-même, hein, tranquillement. Et ensuite, que fait-on à l'époque pour soigner les plaies Eh bien, on met de l'huile d'olive et euh, du lard dessus, tout simplement. Miam, miam. On garde Jeanne au repos, mais elle ne veut rien entendre, elle veut repartir à l'assaut alors qu'elle est grièvement blessée. Et lorsqu'elle arrive, eh bien, encore une fois, les Français sont découragés et commencent à se replier. Jeanne saisit alors son étendard et repart à l'assaut, et lorsque les Français voient l'étendard de Jeanne s'agiter au vent, c'est reparti. L'assaut reprend avec force, et avant la nuit, la Bastide tombe. Et comme l'avait prédit Jeanne également, l'armée avec Jeanne rentre à Orléans par le pont. Là, dans la ville, on lui fait un triomphe, évidemment. Voilà. L'espoir qui se matérialisait avec son arrivée, là, il se concrétise avec déjà trois victoires en quatre jours, alors que le siège dure depuis sept mois. On va festoyer toute la nuit et le lendemain matin, les Anglais vont sortir de leur bastide et se mettre en position de bataille. Alors on se dévisage, on s'observe, on se regarde, rien ne se passe pendant une bonne heure et ensuite, les Anglais tournent les talons et s'en vont. Nous sommes le 8 mai 1429 et les Anglais... Lève le siège d'Orléans. Le siège, rude, difficile, durait depuis sept mois. Et là, Jeanne était arrivée et neuf jours plus tard, la ville était libérée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la victoire de Jeanne était totale et elle y a contribué activement. Elle n'a pas été qu'un fétiche, qu'une arme psychologique. Elle a été un véritable chef de guerre et s'est comportée comme telle. Dès lors, sa renommée en Europe va exploser. Orléans était libérée, comme elle l'avait prédit dans sa mission. Elle n'avait que 17 ans. C'est une histoire folle, incroyable, et l'histoire de Jeanne est entièrement comme ça. Ensuite, si vous connaissez la suite, c'est la campagne de la Loire, puis le sacre à Reims, etc. C'est pas fini pour Jeanne, loin de là.